le bodyboard, un sport extrême avec un champion du monde français. Pierre-Louis Coste dame régulièrement le pion aux Hawaïens et aux Australiens, les grands spécialistes de la discipline. Alors comment devient-on champion du monde de bodyboard? Eh bien, il faut commencer tôt, très tôt, l'entraînement, de préférence sur le spot de la gravière. Si je suis local d'un spot en particulier, je dirais peut-être la gravière parce que j'ai grandi beaucoup là-bas. J'ai beaucoup appris, j'ai eu des sessions mémorables. Donc je dirais que c'est peut-être le spot qui me tient le plus à cœur au monde. J'ai habité devant, vraiment devant, donc j'ai surfé souvent là-bas, qu'importe les conditions. Salut. J'étais une ancienne véliplanchiste, donc ma vie c'était la plage. Quand ils étaient petits, enfin Pierre-Louis tout petit, là, il a appris à marcher sur la plage. Hein. Oui. J'avais acheté un maillot de bain avec l'époque, avec les petites bouées. Et alors, je l'emmenais partout avec moi, au large. Et puis, il avait pas pied, bien sûr. Jamais j'ai eu peur. J'ai toujours eu une confiance. Même quand il partait tout seul à 14 ans en Australie, partout. Et que jamais eu peur. J'ai toujours eu confiance en Pierre. Il était très, très... il savait très bien où il allait. Il savait très bien ce qu'il faisait. Des fois, il était tout seul. C'est sûr que sans son accord, sans sa motivation, oui, sans... Oui, passionné aussi, quoi. J'aimais ça, oui, quoi. Oui, sa passion. Je serais pas là aujourd'hui, c'est sûr. Donc, elle a joué un rôle énorme dans ma carrière. Merci. Bien sûr, il y a les vagues de Hawaï, du Portugal et toutes celles du bout du monde. Mais dans le Finistère, c'est encore mieux, il y a les irréductibles bretons qui tentent chaque année de dompter la redoutable Anaël. Tempête et blocs de roche, un défi à la hauteur du champion français. Quand la compétition a lieu, mon mental change complètement. C'est-à-dire que le côté danger, le côté rocher, malheureusement, passe un peu à côté. C'est-à-dire que mon but était de passer ma série. Je sais qu'il y a des rochers, je suis conscient que je peux me faire mal. Mais malheureusement, et puis la plupart des riders, la plupart des compétiteurs font des choses assez stupides même en compétition. Des fois ça passe et des fois ça casse. C'est pour ça que je fais ce sport, c'est pour ça que j'adore mesurer à des grosses vagues. Avant la peur, il y a ce sentiment d'adrénaline que je recherche. Le frisson, l'adrénaline et puis pour Pierre-Louis Coste, la récompense. Une victoire de plus à son palmarès.